Ça n'a pas été facile. Je vais inviter Pierre. Oui. Excuse-moi. OK. Tu prends le contrôle? C'est parce que cette semaine, Pierre m'a dit Hélène, tu as le contrôle. C'est pas une bonne idée. Habituellement, j'ai le contrôle dans les coulisses. Si ça ne te dérange pas, je vais prendre le contrôle de la scène quelques minutes. Okay? Vas-y. C'est beau? Oui. Je vais juste vous demander de vous tracer un petit peu. C'est parce que je traite... OK, oui. Tu veux le X. OK, vas-y. Vas-y. OK. On peut-tu y fermer son micro, lui? OK. Mais j'aimerais ça avoir une présentation, là, tu sais. Oui. J'aimerais ça que... Hey, la musique, ça serait hot, hein? Hein? Ça serait cool? OK. Regarde, ce qu'on va faire. Moi, mon rêve, c'est ça. Oui, oui. Fait que ce qu'on va faire, moi, je vais m'en aller en arrière. Okay. Puis quand je vais te dire « go », tu vas dire « Mesdames et messieurs, Madame Hélène Bergeron. » OK? Puis vous autres, bien, vous allez applaudir. Tu sais. Ça va être avec grand... Ça va être spontané. Ah oh, oui, c'est... Avec grand plaisir, Hélène. OK? On oui. fait ça? Oui, certain. Fait que là, je m'en vais là. Go, go, go. Puis je te donne le cue. Tu donnes le cue? I'm into her. Ah ouais, go. C'est beau? T'assois encore un peu. OK, ah ouais, ben oui, ça te prend le stage. C'est bon, c'est parfait. Everything is gonna be OK. Believe me. I do. Trust the process. OK? I'm pretty nervous. Fait que là, je m'en vais là-bas. J'arrive. J'arrive. OK. OK. Fait que là, je suis rendu. Fait que là, tu peux y aller. Mesdames et messieurs, Hélène Bergeron. Merci. Hey, je réalise un rêve ce soir. Merci d'en faire partie. Ah, oh, bravo, bravo. Wow, merci. Oui. On n'a pas fermé son micro, lui. OK. Pendant que j'ai la scène, j'en ai profité un petit peu pour parler avec mon public. Ça va? J'ai envie de vous parler un petit peu de ce que représente FaceOff pour mon collègue Pierre. Que j'aime beaucoup. Hey, là, je... Mais non. Pour mon collègue Pierre, avec qui je travaille depuis 10 ans. En passant, vous savez que moi, j'ai jamais vu FaceOff. Je suis toujours dans les coulisses. Je suis toujours dans le noir. Donc là, j'en profite. Quand Pierre est arrivé dans le bureau il y a 10 ans, puis il m'a dit, Hélène, j'ai une idée de fou. Je ne savais pas dans quoi qu'on s'embarquait, mais j'ai dit « OK, j'embarque ». Je ne pensais pas qu'on se retrouverait encore ici, 10 ans plus tard. FaceOff, c'est plus qu'une semaine intense pour vos enfants. C'est plus qu'une soirée de rêve pour eux et pour vous. FaceOff, pour Pierre, ça commence fin de l'été, début d'automne. Où il va penser à un thème, il va réfléchir, il va faire des recherches, il va rechercher des images, rechercher de la musique, il va faire du montage. Ça représente des heures et des heures de travail pour préparer une histoire qui se tient, afin qu'on puisse présenter ça aux élèves.
C'est des heures de travail. C'est des heures de travail aussi de chercher des maquilleurs, de trouver une date. Des heures et des heures pour trouver une date qui va plaire à tout le monde. Tout ce qu'il y a de visuel autour de Face Off, c'est Pierre. La rédaction des textes des animateurs ce soir que vous avez entendu. Ce qu'on appelle le pacing pour les techniciens, dont le déroulement de la soirée pour les techniciens, c'est Pierre. La publicité, les billets, les commandes, le montage fait par les élèves qui est toujours suivi par Pierre. Les moulages, les démoulages, les remoulages, c'est Pierre. Préparation des locaux. Et j'en passe et j'en passe. Ce sont des heures et des heures qui se transforment en jours, qui se transforment en nuits aussi. Ce sont des jours et des nuits qui se transforment en semaines, des semaines en mois et des mois en une année complète. Tout ce travail-là, on n'en parle jamais. On ne le voit pas. Alors, c'est pour ça que ce soir, je tenais à ce que vous soyez au courant, que vous sachiez tout le travail que Pierre fait en amont. Alors, mon ami, je te remercie beaucoup. Thank you for everything, Pierre. Yeah. Naturellement, toute cette folie-là ne serait pas rendue possible pour Pierre s'il n'était pas entouré de gens d'une générosité extraordinaire. Des gens qui comprennent sa folie, qui la partagent. Je pense à ces deux garçons, Raphaël, Renaud, qui ne peuvent pas être là ce soir, mais qui sont avec toi en pensée et de cœur, qui sont tout aussi talentueux que leur papa. Je pense, bien sûr, à une personne que moi, j'admire incroyablement, une personne qui est toujours là pour Pierre, une personne qu'on ne voit pas, mais qui comprend aussi cette folie, une personne qui encourage Pierre, une personne qui le conseille, qui le supporte, et je peux vous dire que c'est déjà quelque chose. Une personne qui est toujours avec nous quand vient le soir du gala. Je parle bien sûr de Manon Chartré, sa conjointe. Je ne sais pas où est Manon. Mais Manon, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu fais. Hey, sais-tu, je commence à avoir du fun, moi, là? J'aime ça. J'adore. C'est vraiment beau, hein? Vraiment. Pierre, il y a aussi les membres du personnel, les gens avec qui tu travailles au quotidien, qui reconnaissent ton travail depuis 10 ans et qui ont voulu souligner cette 10e année pour te remercier, j'ai oublié un petit bout, pour te remercier de faire rayonner le séminaire en dehors de la région, en dehors de la province, en dehors du pays. Alors, j'inviterai notre directeur général, Jean-Sébastien Roy, à venir te dire quelques mots. On a dit quelque chose pour toi, Pierre. Elle m'a volé quelques lignes, mais dans le fond, Face Off, on a aujourd'hui souvent ensemble, c'est pas seulement un projet d'art plastique, c'est pas seulement un projet scolaire ou de matière, c'est vraiment un projet d'école. Puis, tu as contribué à faire rayonner l'école pendant 10 ans, localement, régional et provincial.
Fait que pour ça, on t'a fait un petit quelque chose. Les employés et les membres du CA, on te remet une petite plaque pour souligner ton travail des 10 ans. Merci. Et puis, ben, il reste moi. Oui. Pierre, ça fait longtemps qu'on se connaît. Pierre, c'est un peu comme mon petit frère. On est comme des âmes sœurs. On sait ce que l'autre pense en même temps. Tu sais ce que je pense de toi. Fait que on ne s'étendra pas là-dessus. Ça pourrait être trop long. Je sais qu'il y a des gens qui trépignent d'impatience dans les coulisses. Mais je veux te remercier de m'avoir permis d'entrer dans ton univers artistique. Pour moi, ça a une très, très grande valeur. Je voulais aussi te remercier de m'avoir permis de côtoyer nos jeunes autrement que dans les cours, qui m'a permis d'avoir des moments privilégiés avec nos jeunes, avec vos enfants, et puis ce qui fait que je les aime encore plus. Allez, c'est déjà fini. J'ai tellement aimé ça que je pense que l'année prochaine, toi qui vas animer. Je vais renégocier mon contrat. Je ouais. Alors, je vous dis un gros, gros merci de votre participation. Désolée pour cette interlude. Merci d'être là. Merci. J'aimerais ça vous voir. Là. Merci d'être là pour vos enfants. Je ne sais pas si vous le disent des fois, mais c'est très, très, très important pour eux. Et ils sont très contents que vous soyez là. Alors, bonne fin de soirée, wow. Tout le monde.